Fumble! Nous avons en cette Sainte-Barbe 2017 la particularité de fêter les 40 ans de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et les 10 ans de sa délocalisation sur ce site magnifique d'Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Pourtant, que de chemin parcouru, alors qu'elle ne comptait en 1979 qu'une seule promotion. L'École nationale en dénombre en 2017 une vingtaine, soit plus de 5000 officiers en formation chaque année. Ces chiffres démontrent combien elle a pris une place centrale et structurante dans notre modèle de sécurité civile. Cette place, l'École nationale la doit à une capacité d'adaptation permanente. Les conditions semblent réunies pour disposer d'une école solide et reconnue, prête à relever de nouveaux défis et à construire l'avenir. Je laisse la parole à Monsieur le Préfet, directeur général de la Sécurité civile. Cette Sainte-Barbe est un moment d'émotion, un moment traditionnel. C'est pour moi la première en qualité de directeur général de la Sécurité civile, la gestion des crises. J'en ai fait d'autres, sous d'autres cieux, d'autres lieux et sous un autre uniforme. Et celle-ci, pour la première fois, revêt dans mon cœur et dans mon esprit un sens tout particulier, et je suis très heureux de pouvoir la partager avec vous. Elle est pour votre école également, comme l'a indiqué à l'instant le contrôleur général Hénard, un point particulier. Il suffit de se tourner vers les murs pour regarder les deux chiffres qui figurent. Vous êtes à l'âge où on peut prendre son envol, où on peut construire des choses durables.
et votre école aujourd'hui doit incarner un sens dans l'ensemble des grandes écoles aujourd'hui de formation des cadres de la nation. Et c'est une ambition que nous partageons et que je souhaite véritablement donner à tous. Vive Sainte-Barbe et vive l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.